Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Nous avions quitté nos amoureux en pleine cracounette. Pour l'instant, ils sont encore donc à Granite Falls et après, on va les faire rentrer. Il est 7h20 du matin, je vais les laisser dormir un petit chouï. Et après, on va rentrer à la maison parce que. Qui nous sert pas. Tiens, tu vas manger, tu vas pisser. Et oui, on n'oublie pas, la fin des vacances, c'est dans 4 heures. T'inquiète pas, on va rendre les clés avant l'heure. Et Heidi Howe est très très enceinte. Donc elle a un ventre un peu gros quand même. Hein. Elle n'est pas encore dans son troisième trimestre. Bon, de toute façon, on va être sûr de rentrer. Puisqu'on veut être sûr d'avoir deux bébés, double baby. Et elle n'a pris ni carottes ni fraises, donc ce sera surprise. Je ne sais pas de quel sexe seront les enfants. Donc voilà. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Et là, on va rentrer parce que ça va être. Cybèle va bientôt nous quitter, vous voyez. Oh putain, elle clignote. Ça veut dire qu'elle va claquer. Bon, tu te dépêches de manger et d'aller pisser. Et après, on rentre. Rapport de droit d'auteur 480. Ouais. Allez, dépêche-toi. Toi, tu vas te réveiller aussi. Voilà. Tu vas te laver les mains et te brosser les dents. Non, même pas. Même pas les enfants. Et puis, on rentre à la maison. Invité en vacances. Non. Rentrer à la maison. Et bien sûr, toi aussi, rentrer à la maison. On est parti. Rentrons. Plus vite que ça. Oui, je le veux. Oh, Loki est revenu. Ben voilà, il a voulu partir pile quand nous on était en vacances. Il est où? Oui, c'est ça le chien. Il est là. Oh là. Oh là, il y a du bordel ici. Ça va pas faire le ménage? Monde de chien. Ah tiens, tu vas lui faire... Oh, il a ramené un cadeau, mais c'est trop chaud. Caresser, ouais. Tu vas reprendre œuf brouillé. Errol, s'il te plaît. Alors, comment elle va? Elle est encore vivante. Notre maman. Heidi, tu vas tout de suite dire... Non, mais c'est bon. Tu viens de manger. Oh oui. J'allais dire, il a du bide de ouf. Mais il est enceinte aussi, Igor. Tu vas illuminer journée de ta maman et tu vas lui dire que t'es enceinte. Toi aussi, tu vas lui partager la grande nouvelle. Mais Igor, quoi. Oh, regardez-moi. Il y a un bébé. Il y a tout le monde qui en cloque en même temps. C'est trop drôle, quoi. Et toi aussi, tu vas partager... tu vas la complimenter. Tu vas... Quoi? Mais tu peux pas annoncer la nouvelle? Complimenter la tenue. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hey. Regardez-moi ce duo de bidou. Ce duo de bidou. Duo de bidou. J'adore et je prends des photos parce que ça me fait rire. Qu'est-ce que tu fais, Gabriel? Non, tu fais pas de café. En plus, ce pauvre chien. Oh, il a peur de tout, ce chien. C'est pas possible. Je pense que Loki, il va claquer en même temps que c'est Cybèle. Calmez le chien, j'ai dit. Calme-le. Merci Harold d'avoir fait à manger. Bah Harold, on va appeler ta copine. Jeune adulte. Vous savez ce que ça veut dire ça? Quand un jeune adulte, elle est, petit bébé, il y a. Maman, je suis enceinte. Ah, c'est trop bien. Bravo. Ah oui, non, c'est lui.
vous êtes touché le bébé. Tu l'as dit à ta mère aussi que t'étais enceinte. Shabini. Moonfix Shima. Harvini. Boucharp Kumiao. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de revoir un peu Cybèle avant que. Avant qu'elle nous quitte. Proposer de toucher le bébé. Muji Piji. Toi aussi, tu vas appeler ton copain. Ce serait dommage que tu ne déménages pas aujourd'hui. Oh, ils vont être tous seuls, tous les deux, direct. Voilà, Samuel va passer. Harold. Oui, Harold, il fait le ménage. Harold, tu fais le ménage, mais... Qui c'est ça? Jérôme, gars, d'accord. Ouais, ta copine est là. Ta copine, elle est là, tu vas l'illuminer la journée, tu vas complimenter, tu vas lui embrasser les mains, tu vas l'offrir une rose, et tu vas demander d'être cette petite amie, parce que maintenant, vous savez, vous avez le choix d'être enfin... vous allez essayer de faire un bébé. Ah, ça fait beaucoup. Oh, d'accord, mais c'est déjà pas mal. Alors que Igor, il va recevoir aussi son amoureux. Lui, il va bientôt accoucher. Hein. Ah ouais, lui, il est sur le point d'accoucher, hein, Igor. Oh la salope. Oh la salope. Harold. Et punaise, ça a pété toutes mes contre... Mais... Oh, ça m'énerve. Regardez-moi ça. La déchéance d'un Sims. Ah, c'est pas possible. On recommence, hein, bah ça... Amour. Voilà. Quelle saloperie. Igor, c'est ce que ça va te faire, tu vas réparer la maison. Ton mec est là. Tu vas l'enlacer. Tu vas lui proposer de toucher le bébé parce que oui. Voilà. Elle fait ménage. Gabriel, est-ce qu'on peut te faire travailler? Oui, bah non, t'es bien. Tu vas t'entraîner à la programmation. Tu vas payer les factures, effectivement. Et tu vas t'entraîner. Tu vas programmer. Tu vas t'entraîner avant. Entraîne-toi plus que... Alors, nous avons Harold et Louise qui sont partis faire des petits enfants. Voilà. Nous avons Igor. Tu vas partager la grande nouvelle aussi avec Samuel. Allez. Tu l'as pas dit à... Qu'est-ce qu'il a, le chien? Ah, le chien, il pue, c'est vrai, punaise. Cybèle, qu'est-ce que tu fous? Cybèle, tu peux aller laver le chien? Ça, au moins, c'est fait. Oh, pauvre chien. Il y a des puces et tout, il est dégueulasse. Au moins ce sera fait. Oui, nous, boo. Voilà, ça se passe bien là-bas. Tu lui as dit que t'attendais un enfant? Alors, Harold, ça s'est bien passé? Tu vas t'approcher d'elle quand même, tu vas la complimenter, tu vas dire ouh, tu étais belle, nue sous la couette. Et tu vas remettre ça, tu vas demander à sa petite amie, mais oui, c'est vrai que ça l'a pas fait. Puisque il serait essayé de faire un bébé, parce que elle, ça va, elle fait pas partie du foyer, donc on peut lui demander 15 000 fois. Ça y est, son petit ami? Pas encore? Si, ça y est. Bon, toi, tu vas t'occuper de tes fesses, Heidi, un petit peu. Tu vas là-bas. Tiens, tu vas ouvrir... Non. Tu vas faire ça. Ouvrir. Voilà. Laisse les amoureux tranquilles. Tu dois pisser, Harold. D'accord. Non, mais tu sais, tu vas complimenter et tu vas le demander en mariage. Comme ça, vous serez fiancés. Sera avancé dans votre relation et après je l'ai fait déménager.
J'ai hâte de voir leur petit bout de chou. Oh, c'est trop chou. Oh, les amoureux. Envoyez un baiser. Et, non, pas amour. C'est amical. Demandez de vivre ensemble. Ah, zut! Il a trop envie de pisser. Demandez de vivre ensemble. Alors, Harold. Tu sais, on va, tu vas essayer de refaire... Bah oui, non, mais nous, on double, on triple les chances. Hein. On n'est pas qu'on perde de temps. Donc, Igor va nous quitter. Voilà. Zou, adieu Igor, tu nous as bien plu, mais finalement tu n'avais qu'une seule voix au sondage de l'héritier, donc tu ne seras pas regretté. Oh mais il y a déjà du bon monde hein. Hugo, elle est jolie Emma. Samuel, c'est peut-être le plus beau parce qu'il a... Lui il est peut-être un peu trop vert, et lui il a les yeux verts justement. Igor, c'est ça, je me suis pas trompée. Igor, voilà. Zou, emménager. Ah bah, je vais les emménager maintenant et je vous retrouve après parce que sinon ça va être trop long. Oula, ah oui. Bon, ça y est, Igor est... Il est déjà parti. Et bah, Igor a emménagé... je les ai fait emménager à Saint-Michuno dans un appartement. Qu'est-ce qui se passe? Discuter avec Louise. Discuter avec Louise. Ouais. Tu peux lui refaire un bébé encore? Allez, dans le bain en remous pour changer un peu. Ah! Oh putain! Je vous jure, j'ai mon cœur qui a fait un bond. Oh! Zen. Toi, je vais te faire faire un truc parce que tu vas. Tu vas jeter ça. Oh, lui, il les voit dans la... le truc des chiottes. Franchement, ce chien. Toi, c'est bon, tu fais. Je vous jure, j'ai le cœur qui a fait un bond, mais... Voilà, hein, comme quoi il fallait rentrer parce que Cybèle allait nous quitter, quoi. Adieu, Cybèle. Grâce à toi, nous aurons eu des pleins d'enfants. La faucheuse, elle serait pas dans le mur. Voilà. Cybèle est mourue. Faucheuse. 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 Menu de notification plein. Loki a appris à ne pas boire, d'accord. Ah, elle est là. Elle est là. Petite photo. Sur l'album de la famille. Toi, t'es occupée. Hein. Toi, elle est partie faire du basket. Elle est enceinte, elle fait du basket. Troisième trimestre dans 12 heures. Rafraîchi camping. Ah, c'est sympa. Adieu, Cybèle. Adieu. Voilà. Et Louise, elle doit se barrer. Bon, bah, ils sont plus beaucoup, hein. En attendant, on a toujours Harold à la maison. Ben Harold, tu t'es bien évertué à faire plein de choses avec ta copine. Maintenant, tu peux peut-être passer à la douche, te nettoyer tout ça. Salut la faucheuse. Oh, si belle. Présentation chaleureuse. Tu vas bientôt nous rendre visite au final, la faucheuse. Ah ouais. Ah oui, il doit toujours se présenter à D-Sims. Partagez la grande nouvelle. Et la faucheuse, je suis enceinte. Ah super, c'est deux autres des nouvelles âmes que je pourrais attraper plus tard. Dans quelques temps, je pourrais venir les chercher. Bah, il est content. Ouais, elle est contente, je sais pas trop. Tu vas flatter. Tu vas raconter une histoire drôle. Et puis sur la carrière, c'est toujours rigolo.
débattre de l'existence des vampires. En tout cas, personne ne sera touché par... Il s'est endormi dans le bain. Par la mort de Sylvie. C'est sympa. Elle est devenue vieille dans l'indifférence et elle meurt dans l'indifférence. Mais non, mais regardez. Ah oui, punaise, j'avais oublié Harold. Mais regardez, elle était belle. Voilà, elle est affreuse cette photo, mais... Quoi ? Je suis la faucheuse. Oui, on sait que t'es la faucheuse. Regardez-moi ce couple d'amoureux. Fut un temps. Fort jeune et beau. Maintenant, ils sont tous les deux morts. Mince. Ah, que... Il veut pas se mettre où je veux. Bon, bah c'est pas grave, on va les mettre là. De toute façon, on va aller... J'ai entendu dire que tu fréquentes Louise. Oui, je sais. On va voir les photos qu'a pris... Pendant 5 heures. Ah bah quand même, ça fait quand même 1700 heures de jeu. Je pense pas que j'ai joué peu pendant 5 heures. On va voir les photos qu'a pris... Ah oui. Ah oui. Ah... Avec Cybèle. Ah, oh, c'est trop cool. Bon, il y en a pas mal, hein. Mais elles sont toutes bien réussies pour lui qui savait pas qu'il avait aucune compétence en photo. Tu es doué, mon petit Harold. Tu pourrais être photographe professionnel. Mais c'est vrai, en plus, il y a quasiment pas de trucs flous avec le gnome et compagnie, hein. Ah ouais. Bon, alors je vais pas toutes les mettre. Après ça c'est des bugs. Bien sûr c'est les bugs que j'ai toujours dans mon jeu des Sims. Avec des photos qui ont rien à faire avec l'histoire. Voilà, ça c'était mon legacy privé. D'ailleurs je vais la vendre. Ah, celle-là aussi hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un paysage. Après, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est joli. Mais bon, ça ne correspond pas à notre histoire. Voilà, alors on a tout ça comme photo. Bien sûr, je ne vais pas tout garder. Il n'y en a qu'une avec Cybèle. Bon, bah forcément celle-là. On va ajouter un cadre. On va la garder, effectivement. Et après, on va garder Gabriel et Heidi. Franchement, il y en a, elles sont trop sympas, hein. Ouais. Ah, j'ai peur, je crois que c'est encore un truc qui se passait, mais non. Peut-être garder, je sais pas, elles sont toutes pareilles, donc celle-là, on va ajouter un cadre à celle-là. Et ça fera la blague. Hop. Bon, après, bien sûr, je les replacerai. Je les replacerai... Oh, punaise. Ouais, je les replacerai mieux que ça, parce que là, évidemment, c'est pas beau. C'est pas centré. Faut que je mette le bébé Move Object, je pense, pour que ça tombe mieux. Mais bon, pour l'instant, ils auront énormément de photos d'eux dans le salon, dans le séjour. La photo de leur manager, qu'est-ce que tu es parti dormir, toi? Est-ce que tu peux contempler? Et te dire, ouh, ah, où est-ce que j'étais belle? Le jour de mon mariage, alors que maintenant je suis une grosse dondon. Est-ce qu'elle sait que c'est elle? Qu'elle se voit elle-même dans le cadre? Ça, on sait rien. Ça, on sait pas. Bon, bah voilà. C'est tout, du coup, je voulais faire les photos avant que Harold ne déménage. Mais Harold n'est pas prêt de déménager pour l'instant, donc c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Tiens, tu peux jouer à la balle avec Loki. Loki, il est là. Loki va pas tarder à nous quitter. Hein. Ça me chagrine. Alors, je me demande, est-ce que je vais... Il y a toutes les quatre qui vont rester. Je me demande si, effectivement, il va... On va réadopter un autre chien ou pas. Ou peut-être un chat, j'en sais rien. C'est vraiment la question que je me pose. Oh là là. Ils sont archi pourris. Tu vas arroser? Plan d'ail. Ah ouais, mais il pue le plan d'ail.
De toute façon, on se fait plus. Là, à la base, c'était pour pas se faire agresser par les vampires, mais on se fait plus agresser par les vampires. Donc, c'est plutôt pas mal. Et mais ça aussi? Ah, jeter la plante morte. Oui, bah, jette la plante morte alors. Ce sera toujours ça de fait. Le chien n'a pas envie de jouer? Oh. Donne-lui une grosse friandise. Oh, pauvre Loki. Jim Wibsey. Why is she me? Bon, oui. Crouchy. Lobby Sabrim. Voilà. C'est bien le chien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Oh, là j'avais baissé tous les murs, j'aime pas ça. Tu vas baisser tous les murs. Pff, tu vas prendre une douche. Il va faire lui. Non, lui ça va, il va faire le ménage. Elle mange. Elle va bientôt accoucher dans 3ème trimestre, dans 7 heures. Tu vas réparer ça. Tu vas aussi. On va mettre à manger dans la gamelle du chien. Si j'arrive à cliquer dessus. Hop. Il est juste un job pas mal. Mais regardez-moi ce boule de malade. Il est méga fin et il a un boule de malade. Oh là 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 là. Ouh là 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 là, Harold. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux pas aller dormir là, dis. Hey, go, gars, go. Tiens, tu vas essuyer tant qu'à faire, parce que vu que on a les chiottes qui ont cassé. Je t'ai dit non, Harold. Non, non, Harold. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil à l'arbre généalogique. Pour l'instant, ça a pas... Oh, ils ont déjà grandi en bambin. Hélène et Marc. Trop chou. Donc Frida aussi, j'imagine. Samuel et Eric, oui, c'est deux garçons. Elle a eu deux garçons et Garance a eu garçon-fille. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Il manque que Igor. Igor. Heidi. Et après... Harold et tout le monde aura eu des enfants. Le problème, c'est que Sylvain n'aura jamais connu ses petits-enfants, puisqu'on n'aura pas eu le temps d'aller voir les bébés. C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. J'espère que Heidi, quand elle sera vieille, elle pourra au moins voir la naissance de ses premiers petits-enfants. Et aussi que Gabriel va pas claquer 10 ans avant, quoi. Parce que sinon, ça craint. Bah, Harold, c'est cool, tu pourras peut-être aller te coucher. Toi, t'as le même lit depuis toujours, hein. Tu vas réclamer ton lit, c'est ton lit, tu peux y aller. Ah, il se parle à lui-même. Parle avec des amis. Il se parle à lui-même. J'adore. Cocotte, quoi? Non, Garance. Alors, moi, elle voulait aller faire pipi. Et Gabriel. Gabriel, il va faire un peu de basket. Mais fais ce que tu veux, tu... Oh, le chien! Oh, le chien! Oh, va jouer avec le chien, s'il te plaît. Regarde, il gratte et tout, il m'a l'air... Un petit peu de joie pour ce chien. Comment ça, tu peux pas? Jouer avec le chien! Tchoum-tcha? Tchoum-tcha? Ospa! Tark! Niveau 1, compétence dressage. Oh, il y va. Oui, alors voilà, tu dois la rattraper, tu dois la ramener. Oh, il est content, c'est trop chou. Il me faut pas grand chose, moi. Tchoum-tcha? Elle va pas très loin. Il y a comme s'il y avait un mur invisible et qu'elle rebondissait contre le mur invisible. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Champy, moi bim. Et hop, encore un petit lancer. Bon, ils sont déjà partis se coucher là, les feignants. Heidi, tu te réveilles?
Mais ma meuf, elle va toucher. Il y a toujours un truc qui est à moitié, quoi. Elle vient de bouffer. Elle est déjà à la moitié. D'ailleurs, j'ai vu que le truc, il avait pourri entre-temps. Hop. Mais arrête! Nausée matinale. Bon, on n'est pas le matin, on est la nuit. Troisième trimestre dans 4 heures. Ok. Peut-être que dans les prochains épisodes, on pourra voir la naissance des enfants. Ah, il n'y a plus de berceau, faudrait que je les remette. En même temps, la chambre est devenue un peu petite, la chambre là des bambins. Peut-être que je la revisiterai un petit peu, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Viens là. Et tu vas faire crac-crac avec Heidi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, mais elle veut absolument faire le ménage, hein. Bah, je trouve ça justifié s'il y a vraiment beaucoup de choses. Ah, ça. C'est bon, je vais le faire. Ça rapporte un peu d'argent. 46 sous, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça de prix. Mais il est où, chien? Pour crier autant. Mais il est là, pourquoi on a l'impression qu'il entend à côté de nous? Donc eux, ils se sont donné rendez-vous dans la chambre du frère pour dire on va faire crac-crac? Oh, oui, alors! Je suis bien d'accord. 23 h, ouais, c'est vers 4 h du matin. Bon, au moins, hein. C'est ça, fille. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires ou à vous abonner aussi pour voir la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série ou d'une autre. Je vous embrasse très fort. Allez, salut!